Bonjour à tous la Fire Family. Alors aujourd'hui j'ai changé d'appartement, je suis toujours à Bangkok, je suis toujours dans le même immeuble, sauf que je suis passé du 22e étage au 18e étage. Je voulais avoir le numéro 18. Non, je plaisante, c'est pas vrai, mais en fait c'est tombé sur le numéro 18. Donc je suis dans un nouvel appartement, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici on a l'espace bureau. Juste là, bah, la pièce pour dormir, hein, la chambre. Et moi ce que j'adore ici à Bangkok, c'est prendre des appartements avec une belle vue comme ça. Regardez-moi ça comme il fait beau. Il fait à peu près 30... Bah là on est le matin, il doit faire 20-29 degrés. Mais ils annoncent 35 aujourd'hui, donc ça va être une journée très chaude. Et en tout cas ça va pas m'empêcher à faire de sport. Aujourd'hui c'est mon quatrième jour de mon défi sportif. Il y a 4 jours j'ai fait la vidéo que vous avez pu voir, où j'avais commencé à remettre la machine en route. Le jour d'après, j'ai refait la même séance, mais j'étais vraiment mal. C'était dur, c'était vraiment dur parce que il faut se remettre dedans. Mais bon, je l'ai fait, donc c'est passé. Le jour d'après, hier, j'ai fait une session de natation. J'ai juste nagé, ça m'a fait du bien. C'était un peu un jour repos, donc j'ai quand même nagé. Et voilà, là c'est le quatrième jour. Et donc on continue ce défi. Une séance de sport par jour pendant tout le mois. Voilà, donc en fait, comme vous avez pu le voir en suivant un peu mon histoire, à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, j'ai jamais abandonné, en fait, quitte à souffrir. Je suis toujours allé jusqu'au bout, que ce soit dans mes défis, tous les challenges que j'ai pu faire, les ultra trails, les ascensions de montagne, ça a jamais été facile en fait, rien n'a été facile et au contraire ça a été même parfois difficile. Il y a eu souvent des échecs, des fois où je ne suis pas, en parlant du Mont Blanc où j'ai pas réussi à monter le Mont Blanc, mais je m'y suis repris à plusieurs fois et finalement j'ai réussi à le faire. Pour les ultra trails, j'ai toujours fini les courses. Les ultra trails, c'est des courses de plus de 100 km. J'ai toujours fini, même si à un moment donné dans la course, dans ma tête, je me disais j'arrête, j'abandonne parce que je suis trop mort. J'ai toujours continué en fait jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, les marathons, pareil. Il y a toujours eu des étapes en fait. C'est un peu comme un mur où on se dit mince, est-ce que je vais finalement y arriver? C'est vraiment des étapes difficiles à passer et je me rends compte que ce genre de choses, là je parle sport, mais c'est ça dans toutes les étapes de notre vie en fait. Là, si vous voulez, c'est le dernier exemple que j'ai en tête, c'est l'écriture de mon livre. Donc là je suis en train d'écrire un livre, le livre est fini, tout ça, il est en phase de correction, d'ailleurs la correction est bientôt terminée. Et je suis passé par plein d'étapes pendant cette écriture où je me disais mais... est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Et même maintenant, je ne sais pas encore. J'ai toujours pas les réponses parce que le livre n'est pas encore sorti. Et ces réponses-là, je les aurai une fois que le livre sera sorti. Est-ce que ça valait vraiment le coup de le faire? Mais quoi qu'il arrive, pour tout tout le chemin parcouru pour en arriver jusqu'à la sortie de ce livre, eh ben, ça sera quand même du bénéfique. J'aurai quand même appris beaucoup de choses. Donc, même si le livre, au final, ne marche pas, c'est pas grave. J'aurais appris plein de choses, j'aurais appris à écrire un livre, et voilà, je pourrais dire que je suis auteur d'un livre, d'un navet, s'il est pas bien, mais c'est cool, c'est tout ce processus, le processus de dépasser ses doutes, en fait. Parce que des doutes, il y en a eu, et il y en a encore, comme le livre n'est pas sorti, il y en aura toujours. C'est normal, je doute à fond et j'y vais, je fonce. Et c'est ça, c'est un peu l'esprit guillard, ça. C'est vraiment le fait de commencer quelque chose et de ne s'arrêter qu'une fois qu'il est terminé. Et c'est comme quand on fait une séance de sport. Quand on commence à faire une séance de sport, on va jusqu'au bout de sa séance de sport et on arrête une fois que la séance est terminée. Voilà. Et c'est ce que je fais moi pour tout ce que je fais. Bah là il y a eu le livre, bah là il y a ce défi que je me suis lancé de faire du sport tous les jours, donc tous les jours je vais monter faire du sport, et c'est cool parce que
dans notre tête, si on programme notre tête comme ça, du coup, on a un vrai mental de gagnant, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on commence quelque chose, on sait qu'on ira jusqu'au bout. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre d'échecs, peu importe le nombre de chutes, le nombre d'obstacles, on ira jusqu'au bout et on s'arrêtera qu'une fois que le travail sera terminé. Voilà, c'est ça le truc. Quand vous commencez une session de ma méthode d'entraînement, le but, c'est d'aller au bout de la séance. Quand vous commencez ma méthode d'entraînement, le but, c'est d'aller au bout de la méthode d'entraînement. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien si vous vous arrêtez en cours de route, si vous vous arrêtez en plein milieu d'une séance. Allez jusqu'au bout. Il n'y a que comme ça que vous allez réaliser vos rêves. Donc là, il doit faire pas loin de 30 degrés et je vais commencer ma séance. Donc ma séance, ça sera 20 burpees, 20 squats et 20 pompes. Et tout ça, je vais le faire 3 fois, 3 cycles. Voilà. Moi, personnellement, j'ai choisi de quel camp je suis et je suis de ceux qui font les choses. Le livre vient, je viens tout juste de finir d'écrire le livre. La correction, on est quasiment à la moitié, un peu plus de la moitié. Et j'ai déjà un autre projet en tête. J'en ai parlé hier sur le live, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là. Et j'ai déjà un autre projet en tête. Et c'est comme ça, en fait. Une fois qu'une chose est terminée, je me lance un autre défi, mais une fois que ce défi est lancé, je vais jusqu'au bout de ce défi. Vraiment, c'est très important. Et quand vous faites un exercice de sport, si vous êtes fatigué, eh ben c'est pas grave, c'est le jeu. Ça fait partie du processus. Et parfois, ça peut être dur parce qu'on est seul, parce que, je sais pas, parce qu'on a mal, on a des courbatures partout, on est fatigué, on en a marre, on a passé une dure journée. Mais alors, c'est le but de se dépasser pour aller décrocher notre étoile. C'est tout quoi. Je vous rappelle, je suis parti de rien, j'ai aucun diplôme, j'ai rien, nada, j'ai aucun diplôme et j'ai écrit un livre. Et donc c'est quand même, c'est pour vous démontrer, pour vous prouver à quel point, bah peu importe notre niveau actuel, il suffit de se bouger quoi, de se motiver et de se dire qu'on en est capable. Il faut pas laisser les autres se dire qu'on n'est pas capable. Si je regarde, enfin. Dans la tête des gens, dans l'inconscient des gens, quelqu'un qui écrit des livres, c'est quelqu'un qui est diplômé ou qui sait des choses, etc., etc. Moi, je suis Monsieur Tout le Monde. J'ai aucun diplôme. J'ai rien. Regardez, j'ai écrit un livre de 170 000 mots. C'est quand même cool, quoi. Bon, il y a des fautes. Mais bon, une fois que les fautes seront corrigées, bah voilà, il y aura un message, il y aura. Puis j'espère que ce livre vous impactera, j'espère qu'il vous aidera. En tout cas, vous allez vraiment comprendre en lisant ce livre. C'est vraiment mon histoire de mes 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Et bah je raconte mon histoire et mes aventures en fait, que ce soit mes aventures sportives. Ça parle de grimper de cordes, ça parle de Kilimanjaro, de Mont Blanc, d'Ultra Trail, de marathon, ça parle de plein de courses, plein de défis que je me suis lancé. Ça parle aussi des pompiers, forcément, jeunes sapeurs-pompiers, pompiers volontaires, brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et quand j'ai terminé ma genre promotion, il y aura aussi un guide pour vous aider, pour ceux qui veulent devenir pompiers, pour vous aider à devenir pompier, et pour ceux qui sont pompiers pour devenir un bon pompier. Voilà, tout ça, et tout ça, j'ai écrit ça avec le cœur, et parfois je me retrouvais à écrire des heures et des heures, hein, c'est ça. J'écrivais, je faisais des sessions 3 heures d'écriture par jour, et ça sortait, et pourtant, il y a quelques mois en arrière, je me disais, mais est-ce que j'en suis réellement capable? Et là, je suis en train de me réaliser que j'en suis capable, parce que les lecteurs, mes bêta lecteurs qui sont en train de corriger le livre, me disent, mais il est cool ton livre. Donc je l'ai fait, je suis en train de le faire et c'est pas terminé, c'est que le début, c'est le début d'une grande aventure. Et bah c'est ça que je voulais vous prouver à travers cette vidéo, c'est que peu importe votre niveau, il y en a beaucoup qui me demandent ouais, j'ai pas le niveau, je débute, je suis faible. Bah c'est pas grave, il faut pas se trouver d'excuses, on a aucune excuse pour se lancer, pour débuter. Voilà, les rêves souvent sont grands et d'ailleurs il faut rêver grand et pour y arriver, bah il y aura forcément un chemin. Ce chemin il peut être tortueux, il peut y avoir plein d'obstacles, mais qu'importe. Et c'est ça qui fera que votre victoire sera encore plus belle, c'est que vous aurez foncé, vous aurez
l'acharnement sur le chemin et vous y serez. Et quand vous allez arriver au projet, et ben vous allez vous retourner, vous ne pourrez que être fier de vous, comme moi je suis fier de ce livre quand il sortira. Ben, je me dirai waouh, Vincent Guyard, il était au fond de la classe à l'école, il était il comprenait qu'il était nul quoi, c'était un échec scolaire, et derrière voilà, des années plus tard, il sort un livre. Et c'est que le début, je vous le dis, c'est que le début. Il y a d'autres projets qui arrivent, j'ai d'autres trucs en tête, c'est que le début. Donc c'est comme ça qu'il faut que vous interprétiez votre vie. Voilà, votre vie c'est un théâtre. Il faut monter sur scène et il faut tout défoncer. C'est trop bien la vie. Si on y met le cœur, c'est trop bien. Maintenant vous éteignez cette vidéo et vous bougez et vous mettez vos chaussures et vous allez en direction, une seule direction, la direction de vos rêves. Je suis mort et je suis en transpiration de dingue. Ah, cette chaleur, c'est vraiment insoutenable. Ah, je suis vraiment allé au bout. Je suis vraiment allé au bout de mes limites. Ah, ça fait du bien. Ah, je suis allé au bout, c'est le principal, c'est ce que je voulais. Ah, ça fait à peu près 60 pompes, 60 squats et 60 burpees au total. Avec 20 minutes de course, je vais rentrer tranquillement en marchant pour récupérer. Puis après, swimming pool, piscine, un petit peu de sauna, ça peut faire du bien, même s'il fait super chaud. Mais voilà, c'est ça l'esprit Guyard, c'est d'aller au bout de ses limites, c'est de se dépasser, c'est de se donner à fond, et c'est de ne rien lâcher. C'est ça qui est bon. Enjoy les amis. L'esprit Guyard, les amis. Pensez à ça. L'esprit Guyard. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne séance. Je suis un peu sec, mais bon, ça fait vraiment du bien. Je sens que je vais de mieux en mieux, en fait, de jour en jour. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres vidéos motivation. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, pareil, l'espace commentaire, il est là pour ça. En général, je réponds à toutes vos questions. Et puis voilà, si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux membres de mon programme d'entraînement. Donc, il y a la méthode Guyard, il y a la méthode préparative pour se préparer aux premières tractions, et il y a la méthode Luc Léger et la mini-méthode Guyard. Voilà, tout ça, c'est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Vous tomberez sur mon site internet et tout est expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Je suis vraiment content de pouvoir vous aider. Vous êtes des futures machines de guerre et ça, ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est ça l'esprit Guyard. L'esprit Guyard, c'est de commencer les choses et d'aller jusqu'au bout. C'est ça le plus important dans l'esprit Guyard, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pas de commencer un programme pour dire je commence un programme. C'est d'aller jusqu'au bout de ses limites, aller au bout de son rêve. Voilà, c'est ça. Et on ne s'arrête qu'une fois que ce rêve est réalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.